get a one day. Suba. Yeah. Quelqu'un rentre, il saute pendant plus de 10 minutes dans la maison qu'il paye. Et ses enfants, et sa femme, personne n'ouvre, on s'en fout. Hey! Yeah, c'est quand le pauvre devient riche qu'on voit son vrai visage. Mais le temps est le tribunal de l'histoire. Voilà. La paix et la tranquillité dans cette maison sont des slogans qui sont à bannir. On ne peut pas sortir normalement, revenir, trouver quelque chose de normal. Qu'est-ce qui s'est passé avec le truc-ci? J'ai pris la maison aussi chère, avec la cour, pour que les enfants aillent jouer là-bas. Ma chambre n'est pas un tabernacle de jeu. Yeah, voilà. J'ai demandé qu'on me lave ça. On s'en fout. Et puis on va se plaindre. Mais chaque fois qu'il y a des catartines, ils viennent dans cette maison. On m'impose d'aller de là dans le transport. Pour travailler l'argent, je fais comment? Je vais au travail. Et pour aller au travail, je dois être beau. Yeah, mouma mounyenge na wonde. Chouba. Oh, oh, ne touche surtout pas mon boli. Dépose ça tranquillement où c'était. Enfin, tu... je suis très posée depuis. Depuis tu chantes, tu montes, tu descends, tu me grondes comme ton enfant. Je ne parle pas. Mais pas ce qui m'appartient, ne touche pas. C'est tout ce qui me reste, mon broli. Donc quand il touche un broli, c'est comme si j'ai versé l'eau bénie sur toi. Tu vois ça? Je dis, ne touche pas. Je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas où tu as dormi. Je suis restée tranquille. Tu as passé la nuit dehors. Venu ici à 4h du matin, un homme marié. Sonné. Un homme marié. Venu sonner à 4h chez lui. Je me suis levée. Je suis venue t'ouvrir la porte. Tu es entré là, tu es venu te coucher. Le matin, tu te réveilles, tu pars à la douche, tu te mets à chanter. Il y a la liberté d'expression. Tu parlais de ça. C'est pour ça que tu as fait le ça. Tu as fait le ça parce que tu veux partir. Va-t'en. Vas-y. Je ne veux pas sortir, je travaille toute la journée. Mes collègues, je dois les assister. Je rentre à la maison où je peux avoir un peu de tranquillité. Madame se permet de me donner les mots de tête. Laissez parler. Un jour tu vas travailler, monsieur. Un jour tu sauras ce que c'est que les réunions de travail, monsieur. Un jour tu sauras ce que c'est que avoir des collègues. Arrête de crier, tu bavardes trop, tu cries pourquoi? Pourquoi tu es sur la défensive? Je suis sur la défensive. Arrête de crier, le sac si, j'ai déposé ça là pour voir ta réaction. Mais comme tu crois que je vais sortir de cette maison, c'est le cap, donc même le caterpillar ne va pas m'enlever dans cette maison, je me gagne ici. Si tu penses qu'en sortant à 7h et en rentrant à 4h, ça va me pousser à partir pour que tu viennes avec une autre personne. Monsieur, quand tu n'avais rien, j'étais avec toi. Tu vas d'abord partir où? Je suis tu vas partir où? Je vais partir où? La maison de tes parents là-bas, tous les simples sont là-bas, tes cases sont là-bas avec les enfants. Tu vas partir où? Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je t'ai dit que je me gagne ici. Ah, faut me laisser le papa. Je me gagne ici. Et quand tu soulèves tes bras, tes mains, ce bras-là, je vois que tu t'es épilé là. Comment c'est fait que hier en sortant ici, tu n'étais pas épilé et maintenant tu es épilé? Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu t'épiles au bureau ou quoi? Ah, vraiment, tu es pessimiste. C'est là qu'on dit qu'il faut prier. Prie, tu vois le diable partout. Et au bureau là-bas, il y a mon collègue qui vend les lames de rasoir. Il veut me proposer les lames de rasoir. Parce que ici, on a tout le problème. Là, quand on coupe le courant, on ne peut pas utiliser la tondeuse. Je dois acheter les lames de rasoir pour vérifier qu'il y a l'épilation. Donc, c'est pour ça que tu as fait tout un plein. Hein? Arrête tes bêtises, tes mensonges à la con. Hier, quand tu sortais de cette maison, tu n'étais pas épilé. Tu t'es habillé là devant moi, sous mes yeux. Il y avait les poils partout. Comment se fait-il que ce matin tu sois épilé? Tu vas me dire quelle est la fille qui est venue t'épiler. Parce que toi tu ne connais même pas t'épiler. C'est toujours moi et toujours moi qui t'épile. Mais je dis, je suis d'abord sorti le matin. Il y a une moto qui nous a bousculé par derrière. Donc après ça, je me suis évanoui. Mais mes collègues m'ont dit qu'on m'amène à l'hôpital là-bas au Kayabasi. Je suis parti au Kayabasi. Après, on m'a réveillé. Arrête un peu, tu peux pas être pour rien. Donne-moi le nom de la fille et son numéro de téléphone. C'est tout. Je dis, c'est un problème au niveau de l'épilation. Hein? Bon, tu vois, qui m'a épilé? Qui t'a démaquillé?
Qui t'a démaquillé? Tu es démaquillé toujours ici là à 8 heures. Qui t'a démaquillé? Tu es devant la soirée hier? Hein? Tu es devant la soirée hier? Qu'est-ce que c'est que c'est? Moi j'en ai marre. Finalement, si tu ne peux pas partir de cette maison, je m'en vais moi-même. Parce que vraiment, les enfants, ça c'est quoi ce que c'est toi ça? Hein? Quand on a ta tante qui est ici, c'est le même problème. Le même problème. On va les...